vlog lifestyle. Oh, ça y est, un nouveau voyage. Je pars à Dubaï. Mais ce coup-ci, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est pas vraiment des vacances, mais c'est pas non plus du travail. Là, je pars en tant que client dans un mastermind. Le mastermind, si vous savez pas encore ce que c'est un regroupement d'entrepreneurs sur une thématique, sur par exemple le rachat d'entreprise, l'immobilier, le business en ligne ou la bourse, peu importe. Et là, c'est pour du business en ligne. Donc, je pars 4-5 jours à Dubaï pour rejoindre d'autres entrepreneurs pour ce mastermind et je vous embarque avec moi. Donc là, on est en octobre. C'est parti, je vous embarque. Ah, ça y est, on est arrivé. Alors là, je suis un peu fatigué, il est 1h du matin ici, donc il est presque 11h en France, mais bon, fatigué, quand même presque 7h de vol. Et on est arrivé au un magnifique hôtel. Je vais vous filmer un petit peu la chambre, vous allez voir un peu. C'est plutôt cool pour un mastermind. Allez, venez, je vous fais visiter tout ça. Allez, c'est parti, visite de la petite suite. Donc là, les petits rangements. Regardez un magnifique miroir qui laisse entrevoir la belle chambre derrière. Une belle vue, mais je vous montrerai la vue demain. Regardez, magnifique lit king size. La salle de bain qui donne envie de prendre un bon bain après 7 heures de voyage. Douche à l'italienne. Même le toilette est magnifique. Voilà. Regardez la petite vue dehors. Hop. Une vue sur les gratte-ciel. Bon, on voit pas très bien avec la lumière. Et voilà. Allez, on se rejoint demain matin. Ça y est, alors ce matin, vous pouvez voir là, la belle piscine derrière à débordement, magnifique. Donc, bon, ce matin, du coup, on s'est quand même couché à peu près à 3h, c'était heure de Dubaï, il était à 1h du matin, heure française, mais bon, ça piquait quand même. Donc, du coup, on avait prévu ce matin, après le petit déj, d'aller faire une visite en bus, avait découvert pour visiter un peu Dubaï, pour que je fasse découvrir Dubaï à ma compagne. Moi, je connaissais déjà, mais c'était pour lui faire découvrir. Du coup, on n'a pas pu y aller parce que c'était compliqué de se lever tôt le matin. Donc, du coup, on a décidé de chiller tranquillement. Donc, on va aller visiter un peu tranquillement la ville à pied avant d'aller dîner. Ensuite, je vais vous emmener dans la Burj Khalifa tout en haut pour aller déjeuner. Et en attendant, je vais vous faire visiter l'hôtel. Vous allez voir, il est magnifique. Allez, venez avec moi, je vous montre tout ça. Allez, on est parti en taxi. On va à la Burj Khalifa pour déjeuner. On va vous embarquer dans ce beau restaurant. Vous allez voir, c'est Atmosphère, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Super. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, on va chiller un petit peu. Et ensuite, ce soir, à partir de 18h, c'est business. Rencontre avec tous les entrepreneurs. Je vous embarque avec moi en immersion totalement. Allez, à tout de suite. We'll be right back.
On a une chance incroyable, là, on a tout le restaurant derrière là. Et là on nous a placé ici, là, en plein milieu, à côté là. Hop, là, si vous avez le vertige, c'est mal barré. C'est juste incroyable, on a trop de chance. Et là j'ai le serveur qui attend, parce qu'il va nous ramener du champagne. Thank you. Allez. Parfait. Alors, là maintenant, je vais vous faire monter dans l'ascenseur le plus rapide du monde, en vitesse réelle, vous allez voir à quel point. Donc on est au 123e étage ou 122e, je ne sais plus. Vous allez voir à quel point ça va vite. On est au 123e étage. Et là, il descend à la vitesse de la lumière. Oh là là, on a même les oreilles qui se bougent. Comme dans un avion. Ah. Oh là 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 là, il va tout voir la vitesse réelle. On parle en même temps. Ah, c'est un peu les étages. Ah là là, c'est un peu éclaté. Heureusement qu'il n'y a pas de vitre, sinon j'aurais le vertige. Oh là mon dieu, franchement, ça durait quoi. Là ça commence à ralentir mes oreilles. On est comme dans l'avion, on est comme dans l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a vécu une expérience incroyable dans ce restaurant de la Burj Khalifa, on va aller visiter l'aquarium, on va aller voir les loutres, les pingouins, et on vous embarque avec nous, allez venez. Et ensuite, après ça, c'est parti pour le business, le networking à Dubaï. Allez, on y va. Regardez-moi ça, donc là on est en plein Dubai Mall, c'est-à-dire dans le centre commercial de Dubaï. Et regardez, juste derrière, on voit les beaux poissons. Nous on va rentrer bien sûr, mais regardez comment c'est magnifique. Regardez, je vous tourne la vidéo. Regardez comment ça reste quand même magnifique, regardez la raie là. Regardez, les raies, il y a même des requins. C'est vraiment à voir ce bel aquarium. Donc nous on rentre à l'intérieur. On va vous faire visiter avec nous. Regardez le requin là. Vous voyez ? Magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Regardez-moi cet aquarium. Là, on n'est même pas encore dans l'aquarium. Là, on est à l'extérieur. Les gens ne payent pas ici là. Et ils voient cet écran, ce 16/9 juste gigantesque, magnifique. Regardez avec les plongeurs dans l'eau. Sincèrement, en plus, regardez, on est en plein centre commercial, hein, en plein mall. Donc mall, c'est un centre commercial à Dubaï. We'll be right back.
aujourd'hui, on est mercredi, alors c'est le premier jour vraiment où on va bosser sur nos business. Petite routine matinale, comme je vous le dis, hein, vous le savez, le sport, l'hygiène de vie très importante pour moi. Donc là, un peu de sport, franchement, ça va être assez rapide. Allez, 40 minutes, je me fixe 40 minutes. Le petit déj, je l'ai pris juste avant. C'est pas l'idéal, mais c'était pour rentrer quand même. Je préfère quand même prendre le petit déj avant de m'entraîner. Et donc là, dans l'hôtel, il y a une petite salle qui est vraiment suffisamment correcte. Je vais vous la montrer juste après. Et voilà, donc là, petite routine matinale, sport. Ensuite, je rentre, douche. Et ensuite, c'est parti. Je vous embarquerai avec moi dans ce mastermind. Allez. Allez, maintenant il est 9h30, c'est l'heure d'aller rejoindre tout le groupe. On est parti pour la journée Mastermind. Allez, venez avec moi, je vous montre tout ça. Allez, maintenant la journée est terminée, on va tous dîner dans un restaurant, je sais pas vraiment où est-ce que c'est, mais on va tous dîner. Alors juste vraiment c'est important, le mastermind, changement complexe. Là j'ai eu des plafonds de verre qui ont explosé avec les échanges de tous les participants, avec les interviews, avec les speakers qui étaient présents, c'était vraiment juste incroyable. Comme d'habitude, mes plafonds de verre ont complètement explosé, donc encore une fois, très important de venir dans des masterminds, dans des regroupements d'entrepreneurs. Voilà, allez, venez avec moi, je vous embarque avec moi dans ce petit dîner qui va continuer encore le mastermind. On continue, on va tous échanger encore et encore. La grande valeur du mastermind, c'est pendant les échanges. Encore là, on va dîner, on va être là et je vais encore péter encore d'autres plafonds de verre. Allez, venez avec moi. Allez, maintenant, deuxième journée de Mastermind. On est jeudi. Je pars pour le petit déjeuner et après, je vous expliquerai un peu le programme de la journée. Voilà, le petit déjeuner est terminé. Maintenant, avant d'y aller, je me pose un petit peu là avec cette vue magnifique. Regardez un peu. Là, j'étais posé là tranquillement sur le Transat. Voilà. Petite vue magnifique de bon matin avant de passer au mastermind. Donc du coup voilà, donc là je suis posé, je vais dans quelques minutes, donc la dernière journée de mastermind. Donc le programme, c'est le matin, comme vous allez le voir, on va rester comme hier en mode brainstorming à l'intérieur, et ensuite en mode team building dans l'après-midi. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va partir en théorie dans le désert, donc en mode team building, en mode immersion totale. Donc voilà, et je vais vous embarquer avec moi. Mais voilà, donc mais ce que je voulais vraiment vous faire partager, c'est imaginer un instant d'être avec des entrepreneurs encore même plus évolués que vous. Et vous êtes là, vous avez le droit pendant cette immersion de parler uniquement de business et de vous péter des croyances limitantes, de vous péter des plafonds de verre qui vous bloquent dans votre business, des personnes qui sont plus avancées que vous, d'autres parfois qui sont un peu moins, mais en tout cas, tous les échanges vous permettent d'évoluer à une vitesse inimaginable et en plus dans un cadre comme celui où je suis. C'est vrai que c'est juste incroyable. Et voilà, donc écoutez, je vous embarque avec moi et je vais vous montrer comment va se dérouler le reste de la journée. Ah là là, ça y est, on a fini, là il est 15h, on a pu, ça y est, déjeuner. Il est 15h et là maintenant, comme je vous le dis, en mode team building, on va dans le désert en 4x4. Donc voilà, ça va être génial. En tout cas, sachez encore une fois, j'ai fait un réseau incroyable ici sur Dubaï.
avec des entrepreneurs franchement qui pèsent des millions et des millions. C'est vraiment génial ce que j'ai encore vécu aujourd'hui, ce week-end. Enfin, c'est pas un week-end, mais c'est 3 jours en tout cas. Et voilà, allez, je vous emmène avec nous dans cette virée en 4x4. Bon, tout le monde ne vient pas dans cette virée en 4x4 là dans le désert, mais une grande majorité ils viennent quand même. Et voilà, allez, venez avec nous, je vous embarque avec nous. Allez, ah là là, en direct. Alors là, on vient de faire la sortie 4x4. Là, en direct, regardez comment c'est magnifique, le coucher de soleil. Franchement, le 4x4 en désert, vraiment à faire. Je ne m'attendais pas à ça. C'était un peu les montagnes russes croisées avec le tonnerre de Zeus. Je ne m'y attendais pas. Franchement, c'était génial. Le pilote, c'est le pilote, on peut dire ça comme ça. C'était un vrai pilote, franchement, il a bien maîtrisé. C'était un super partage, on a bien rigolé. Et là maintenant on va apprécier le coucher de soleil. Donc vraiment le désert en 4x4, vraiment une expérience à faire, je vous recommande. Ça y est, maintenant c'est l'heure d'aller dîner. Donc je sais pas, c'est encore la petite surprise, je sais pas où est-ce qu'on va dîner. Enfin, on est arrivé, je veux dire, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Allez, venez, je vous montre tout ça. Et voilà, alors, comme à mon habitude, rappelez-vous, très important l'hygiène de vie, très important de ne pas rester sédentaire. Je marche, j'essaie toujours de marcher beaucoup, et là, comme vous pouvez le voir, regardez, donc les jours où on était même en mastermind, j'ai réussi à faire jeudi 12 000 quelque part, mercredi 10 000, un peu plus de 10 000, mardi, le jour où je suis arrivé, à peu près 15 000, et ainsi de suite, 9 000 la veille, 10 000 la veille, voilà, 8 735, voilà. Mais en moyenne, j'essaie de rester toujours sur 10 000 pas par jour et c'est ce que je vous recommande. Sachez que si je ne me trompe pas, la sédentarité est la troisième cause de mortalité au monde après le tabac. Donc c'est vraiment pour dire que c'est très important, aussi bien pour rester intellectuellement toujours dynamique, tout ça, mais c'est surtout pour voilà, aussi pour la santé, et c'est très important de garder la ligne. Je voulais donc vous partager ces choses que je fais régulièrement et je vous encourage à le faire. Allez, ça y est, on est vendredi matin, c'est la fin. Je vous fais cette dernière vidéo sur ce spot que j'adore, ce contraste entre piscine à débordement, transat et building en face avec le petit fleuve. Voilà, bah écoutez, vraiment, c'est un moment maintenant nostalgique qui se passe là parce que ça y est, j'étais en totale immersion dans une bulle où il n'y avait que le business et absolument rien d'autre qui importait. C'est ça qui est important, c'est ça permet de décrocher quand on est comme ça dans un mastermind, d'être complètement en immersion
Et on a le droit de parler que de business pendant 48 heures, 72 heures, on a le droit sans aucun problème. Et ensuite, maintenant, je vais revenir à ma vie normale. Je vais aller regarder la Reine des Neiges avec ma fille, je vais aller, voilà, là maintenant je vais repartir dans le monde normal. Et j'ai pris mon shoot d'immersion, de business, qui m'a été très 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 utile. J'ai vraiment pu préparer de nouvelles stratégies, de nouvelles façons d'appréhender le business. Ça, c'est très important, c'est vraiment ce qu'on recherche dans un mastermind. Et voilà, donc vous avez pu voir, c'était vraiment impressionnant et pour moi c'était génial. J'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de réseaux et voilà. Donc maintenant je vais aller au petit déj, je vais retrouver ma compagne, on va aller petit déjeuner ensemble et ensuite on repart, on va prendre l'avion, tout ça, on revient au Bercail. Allez, venez, je vous fais une petite vidéo de ce spot magnifique dès le matin. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'acheter mon livre si vous voulez découvrir ce que c'est que le rachat d'entreprise, comment le rachat d'entreprise peut changer votre vie. N'hésitez pas à acheter le livre qui est juste sous la vidéo.